Vous êtes au Cameroun et avez besoin de n'importe quel article sur un site internet à l'étranger? Contactez Easy Market. Nous nous occupons de l'achat et de la livraison jusqu'à votre domicile au pays en moins de 5 jours. Easy Market, le contrat de confiance. C'est moi qui ai tué Eden et je suis venu avouer mon crime. Libérer ma femme, elle n'a rien à voir avec tout ça. Non, calmez-vous, vous êtes libre. Ça devient gris, l'arc-en-ciel perd toutes ses couleurs. Ça devient chaud, ça s'emballe à tout petit feu. Quand on fait des mauvais choix, faut être prêt à assumer, savoir se relever. Quand on a subi un échec, ça devient gris, l'arc-en-ciel perd toutes ses couleurs. Ça devient chaud, on s'emballe à tout petit feu. Le pion est l'arme du jeu. Échec et mat, pas moyen de reculer. Échec et mat, les tours montent la garde. Échec et mat, elles vont être sacrifiées. Échec et mat, le cavalier se déplace en elle. Échec et mat, il n'est jamais bloqué. Échec et mat, la reine protège son roi. Échec et mat, elle est la plus puissante du jeu. Échec et mat, le roi est mis sous protection. Échec et mat, sa capture implique alors un échec et mat. Quoi? Le juge a décidé d'une caution. Elle a été payée. Alors vous gagnez provisoirement votre liberté en attendant le procès. Oh, ça fait mal. C'est bien fait pour vous. Vous êtes fou, ma parole. Vous m'avez fait paniquer. Toutes nos excuses, Madame Bayer. Vous serez sans doute ravi de savoir que votre mari s'est accusé du meurtre de Madame Hélène Kemoui. Thierry, il est arrêté. Non. Nous avons trouvé ses propos trop incohérents. Je sais qu'il s'est accusé juste pour vous disculper. Alors vous êtes libre pour un bon bout de temps. Thierry aurait fait ça. Pour moi. Vous êtes libre, Madame Bayer. N'oubliez pas de récupérer vos affaires. Votre Thierry vous attend à la réception. Laissez-moi seul. La mère sortait de nos cellules, vous allez voir. Dehors. J'arrive pas à croire que tu étais prêt à aller en prison pour moi. Tu l'as vraiment fait pour moi. Chloé, je suis prête à tout pour toi, ma chérie. Je te l'ai dit. Je ferai tout mon possible pour que tu aies de nouveau confiance en moi. Tu es ma femme. La femme que j'aime. Comment pourrais-je te laisser dans une situation pareille sans rien faire? Merci d'être venu me chercher, mon amour. Merci. S'il vous plaît, nous ne sommes pas dans une auberge ici. Tout a été fait, vous pouvez rentrer. Ceci n'est pas grâce à vous, inspecteur. Je sais que si ça ne dépendait que de vous, mon époux serait encore dans la cellule. Je fais que mon travail, monsieur Valet. Mylène est innocente. Et nous ferons tout pour vous le prouver. C'est ça. Mais pour le moment, vous pouvez partir.
On attend de voir. Viens, Thierry. Allons, bonjour. Viens, mon ami. Viens. Tu m'as encore eu dossier. Tu as mis contre la drogue dans mon bureau. Ce document que tu as demandé. Dépose-le là. Yann fout le nom dehors. Pourquoi? Ils sont là pour signer un document relatif au concours de la police. Demande au garde de ne plus prendre les documents pour aujourd'hui. Il est déjà 10h. Et collectionnez-moi tous les documents que vous avez avec vous. Vous me les apportez. D'accord. Autre chose, Mylène a été libérée aujourd'hui. Ah bon? Mais un poids de moi. Il y a aussi Charlotte qui fait un cocktail ce soir. D'accord. Je pense qu'il est temps que nous pensions à organiser la cérémonie de nos fiançailles. En tout cas, on en reparlera mieux ce soir. Je retourne travailler. À tout à l'heure. Merci, monsieur. Il faut que tu te reposes. D'accord? Enfin, le retour. Grand-mère, je suis tuée là. Tu es contente de la surprise, ma chérie? Oui, tu es arrivée quand tu es là. Je suis là depuis hier. J'ai apporté du maïs pour te préparer le conchaz. Merci, grand-mère. Ma chérie. Bon, il va falloir que je rencontre Emine. Le médecin m'a donné un certain nombre de consignes à suivre pour son alimentation. Et la greffe? Nous allons parler de ça tout à l'heure. Il faut qu'elle se repose d'abord. Bien sûr. Quand tu te réveilleras, je vais te faire un gros gâteau au yaourt, d'accord? D'accord, grand-mère. Bon, dodo maintenant. Repose-toi bien, ma chère. Ferme les yeux. Dors. Man. J'ai vraiment hâte de quitter d'ici pour le Canada. Dès que j'obtiens mon diplôme d'anglais, je m'y installe définitivement. Attends, je pensais que ta mère voulait que tu t'occupes des affaires familiales. Ah. Elle me saoule avec ça. Je lui ai pas dit que je voulais suivre les traces de mon père ou celles de tonton William. Je suis un artiste, j'ai envie de faire dans le cinéma, tu comprends un peu? Oui, mais ton oncle n'est pas éternel. S'il n'y a personne pour prendre la relève après lui, tous leurs efforts finiront à la poubelle. Bon, tonton William n'a qu'à former Valentine lorsqu'elle sera grande. Ou alors moi-même, je trouverai des gens qui vont travailler pour moi. Moi, je veux être un acteur. Je veux redonner un nouveau visage au cinéma camerounais. Hein? J'ai envie de faire des films d'enfer, gars. Oui, je te comprends, je te comprends. Ah, au fait, j'ai oublié de te dire. Mon rendez-vous pour l'ambassade est prévu le mois prochain. Ah, super, gars! Je suis sûr que tu obtiendras ton visa. Et dis-moi, tu comptes épouser une Française ou alors tu reviendras vers nos sœurs? Je n'en sais rien. Je veux d'abord voir ce que la France a dans le ventre. Sûr, gars! Dis-moi.
Par rapport à Leila, ça va se passer comment? Elle va rester ici. Ce sera très difficile de vivre une relation à distance. Et je compte sur toi pour te taper toutes ces femmes blanches. Compte sur moi. Aucune femme ne résiste à Franck Amé. C'est ça. Comme je te disais tout à l'heure, je pense que je vais donner une autre chance à mon couple. Enfin, je crois que je suis prête à repartir de zéro avec Thierry. Tu en es certaine? Oui. Il m'a prouvé qu'il tenait à moi. Il t'a aussi trompé avec ta meilleure amie. Je pense que tu ne devrais pas lui faire confiance aussi facilement. Willy, il s'est accusé du meurtre d'Eden juste pour que je sois libérée. Je pense que il n'y a pas plus grande preuve d'amour que celle-là, tu ne crois pas? Oh, parce qu'il s'est accusé du meurtre d'Eden, ça suffit. C'est bon. Tu oublies tout. Ils nous ont trahis, Eden et lui. Tu comprends ça? Willy, arrête. J'ai décidé de pardonner à Thierry. Il s'est vraiment repenti. Ah, c'est parce qu'Eden n'est plus là. Stop, ça suffit là. Hein? Ça sert à rien de ressasser tout ça. Tu devrais apprendre à pardonner. C'est ce que tu dis aujourd'hui. Pendant qu'elle était encore là, vous n'avez pas passé votre temps à vous chamailler? Oui, mais c'est uniquement parce qu'elle n'arrêtait pas de se moquer de moi. Mais si elle était encore vivante et qu'elle me demandait pardon, j'accepterais sans hésiter parce que s'il y a bien une chose pour laquelle je serai toujours éternellement reconnaissante d'Eden, eh bien c'est le fait que ces moqueries m'ont rendue forte. Et aujourd'hui, j'ai changé, je suis une autre personne, une femme libre qui s'assume. Je suis plus épanouie, Willy. Très bien. Et cette personne, je l'aime. Oui. Celle que tu es devenue, sérieusement, je suis fier. Merci. Je suis très content. Il y a autre chose. Quoi encore? En fait, il faut que tu lui rendes son job. Non, non, ça suffit. Stop. Non, non, stop, 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 stop. Jamais. S'il te plaît. Écoute, je t'en supplie, allez. Fais-le pour moi, s'il te plaît. M'oblige pas à me mettre à genoux, là. S'il te plaît. Willy, allez. S'il te plaît. D'accord. Je vais en reparler avec lui. Le meilleur. Ouais. Je peux y aller maintenant? Ouais, tu peux y aller maintenant. Il faut que je parte, mon ami. Ouais, déjà. Mais reste et passe cette nuit avec moi. Non, ma tante est seule à la maison et je dois rentrer. Bon, ok. J'enfile un t-shirt et je te raccompagne. D'accord?
Bonjour. Bonjour. Vous êtes ma nouvelle voisine? Ah, apparemment. Je vous souhaite la bienvenue, voisine. Merci. Moi, c'est Tintia. Et vous? She. Ah, you are my sister. Oh. I am from Bamina, Northwest. Ah, great. I'm from Sideways. You're welcome. Thank you, Tintia. If you have any problem, you can approach me, okay? Okay. Okay, this is my door. Mm-hmm. I am very tired. I'm going to sleep. Okay. See you soon. See you. Oui, je reviens de la morgue ici et j'ai tout arrangé avec le responsable. Les faits-pas sont disponibles, donc nous allons les distribuer demain. Tu as vu le corps d'Eden? Non. Pour en faire quoi? William, c'est ton épouse. Et alors? J'ai vu d'ailleurs le morgue et je lui ai dit de sceller son corps dans un sac Kizenge. Je n'ai pas envie de la voir. D'accord. Tu ne vas pas au bureau aujourd'hui? Oui, je suis juste revenu pour m'échanger. Valentine, elle est déjà debout? Non, elle dort encore. Je n'ai pas eu le courage de la réveiller. Je pense qu'il vaut mieux qu'on la laisse se reposer encore. Elle a dormi trop tard hier soir. Ouais, tu as raison. Et Charlotte, elle est déjà revenue? Tu sais que je n'en suis pas de trace. Je ne sais pas où elle se trouve. Toujours en froid avec elle, ma tante? Non. Pourquoi serais-je en froid avec elle? Ouais, on va savoir. Bien-aimé dans le Seigneur, nous venons de garder notre sœur, Eden. Nous devons prier pour que son âme repose en paix. Nous sommes sûrs qu'elle siège désormais à la droite de Dieu, le Père. C'est pourquoi nous devons élever nos voix pour prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, délivre Eden de tout mal. Donne la paix aux enfants qu'elle a laissés. Donne la paix dans sa famille. Couvre sa famille d'amour, afin qu'elle vive dans la paix. Nous te prions, Seigneur, afin qu'à jamais, que ta volonté soit faite. Au nom de Dieu, nous avons prié. Amen.
Que tout est fini maintenant. Quels sont tes projets par rapport à Charlotte? Tu comptes accélérer les choses avec le mariage? J'ai rencontré monsieur le maire hier. Il me disait tantôt de le revoir, question de fixer une date pour nos fiançailles. Bien, je vois. Ça veut dire que le mariage, c'est pour bientôt? Bien évidemment, il le fallait bien, non? Bonsoir à vous. Bonsoir, Madame Rachel. Merci. Bonsoir, maman. Merci, Gérard. Comment tu vas? Je vais très bien. Comme personne de vous ne prend jamais de mes nouvelles. Oh, maman. C'est feu Vincent qui m'avait annoncé ta nomination. Mes félicitations. Merci, maman. Gérard. Oui, maman. J'ai appris que tu veux épouser Charlotte. Oui, elle enfin accepte de m'épouser. Enfin, mais c'est peu commode ça. Tu étais l'ami intime à feu Vincent. Et aujourd'hui, tu veux épouser sa veuve. Donc, ce qu'on dit est vrai. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. N'est-ce pas? Maman, ne recommence pas, s'il te plaît. Je vous laisse. Je savais très bien que cette histoire-là m'a créé beaucoup de représailles. Mais bon, il fallait s'y faire. Oui, c'est vrai. C'est pas important après tout. Je fais pour vous. Une bière, s'il vous plaît. Glacée ou non glacée? Glacée, c'est mieux. Bonjour, Madame Baya. Quel plaisir de vous voir. Agréable pour qui? Ne soyez pas aussi désagréable avec moi, Madame Baya. Je vous en prie. Vous m'avez fait mettre en cellule, alors excusez-moi si je ne suis pas particulièrement contente de vous voir. Vous en êtes encore là? Vous devez savoir, je suis un flic. Et mon devoir en tant que flic est de mettre les criminels derrière les barreaux. De mieux en mieux. Vous me traitez de criminel, c'est ça? Je ne vous connais pas assez pour savoir dans quelle catégorie vous classez. Et justement, je voudrais passer un peu de temps avec vous pour mieux vous connaître. Je peux m'asseoir? Non, bien sûr que non. En fait, je veux dire, vous avez du toupet quand même. D'abord, vous salissez ma réputation et maintenant, vous voulez vous inviter à ma table comme ça, et sans aucune gêne. Vous, les riches, vous êtes comme ça. Vous ne pensez qu'à vous amuser, faire la fête. Normal, c'est votre vie, vas-y. Amusez-vous. Mais je pense que les gens qui ne nous connaissent pas ne doivent pas nous juger. Par conséquence, nous ne devons pas accorder du crédit à ceux qui pensent de nous. Je suppose que vous avez raison. Je vous fais une confidence, madame.